Après le canton de Sabado, c'est au tour du canton de Zanguira dans la préfecture du Golfe de bénéficier de la construction d'infrastructures rurales. Et c'est le président de la délégation spéciale de la préfecture, Abouka Koussi, qui a lancé le début des travaux ce mardi à Lomé. Le projet qui va bénéficier à 9 cantons est financé sur les fonds de la préfecture. Apolline Abaki. C'est la sortie du terrain du président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, sa suite, ainsi que les chefs villages du canton de Zanguira. Tous sont allés lancer les travaux de construction de cette voie d'1,3 km qui relie les villages de Fosy, Anibé et Vogomé dans le canton de Zanguira. Sous leur regard admiratif, les pelleuses et bulldozers creusent et battent l'emprise et tracent la route. Cette construction de voie réjouit déjà le chef canton de Zanguira qui reconnaît qu'aucun développement n'est possible sans infrastructure. Sans la voie, on ne peut rien faire. C'est ça qui développe un milieu. Donc ce matin, nous sommes ravis d'accueillir la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Secondo, ce matin, je vois que le président de la délégation nous a expliqué d'où vient le fonds pour cette route. C'est-à-dire que les impôts qu'on collecte, les tickets qu'on collecte dans les marchés, pour la préfecture, c'est à base de ça qu'on est en train de travailler pour notre milieu. On devait le remercier vraiment. Je suis tellement content d'avoir cette route-là. Mais il y a un grand mais parce que nos délégués qui sont avec nous à Zanguira et leurs chefs n'ont pas essayé de sensibiliser à fond les gens qui ont construit sur la route. C'est ça qui est un petit problème, mais de toutes les façons, à l'aide du président Abouka, on va gérer ça pour qu'il n'y ait pas de problème. Pour le président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, Abouka Koussi, le financement de ces infrastructures provient des taxes préfectorales. Un financement qui répond aux préoccupations du chef de l'État qui fait du développement socio-économique son cheval de bataille. Nous développons ce pays, veut dire que nous devons faire un effort dans tous les villages, dans tous les cantons, dans toutes les villes pour apporter des voies d'accès à nos villages, à nos cantons. Nous voulons également faire participer la population au développement. Nous sommes là aussi pour leur dire que les fonds qui ont permis de faire ce travail, c'est les taxes préfectorales, les impôts que nous collectons dans les marchés, dans les gares routières, bref, les taxes préfectorales servent à faire le développement dans le Golfe. Au total, 9 cantons de la préfecture du Golfe vont bénéficier de ces infrastructures.